accueillis dans l'hémicycle de l'hôtel de la province sud. Et donc, avant de rentrer dans cette soirée, il va y avoir d'abord un geste coutumier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de prendre la parole, je souhaitais faire ce petit bonjour, ce petit tabac, parce que ce soir, je vais montrer des photos de tous nos vieux. Et je voulais leur rendre hommage et puis avoir une forme de respect avant de me permettre de les présenter devant vous. Je vais aussi parler d'histoires qui nous concernent, mais des histoires qui sont joyeuses et aussi tristes. Et donc, voilà, pour me soutenir et puis pour me donner la force et puis pour vous demander déjà toutes mes excuses s'il y a des choses que je vais dire qui ne plaisent pas. Ça, c'est mon petit bonjour pour démarrer cette soirée de façon normale. Ciao, quoi. Donc c'est avec beaucoup de respect et d'humilité hein, que je vais remercier le geste au nom du président Rocco Amitan qui n'est pas là mais qui s'excuse et qui est avec nous par la pensée. C'est aussi au nom de tous les élus hein, des trois provinces, Nord, Sud et Île, qui sont ici présents ce soir. Donc merci pour le geste de respect et d'humilité. Hein. C'est vrai que c'est le signe de tout ce qu'on porte, valeur océanienne, valeur de partage et valeur d'humilité. Donc en retour, un petit geste pour attacher les paroles qui vont être dites ce soir. Parce que c'est vrai que pour avancer, il faut connaître son histoire, même si c'est une histoire qui tantôt blesse, tantôt rassemble. C'est comme ça qu'on bâtit une citoyenneté et un avenir commun. Donc voilà le petit geste pour remercier le geste posé ici, l'Igname et le Manou. On va prendre et puis on va montrer au reste hein, de nos camarades qui sont élus au Congrès. Pour que la parole soit attachée, pour que le travail puisse continuer. Voilà, merci. Alors on va donc poursuivre ces rendez-vous. Alors si le lieu est inhabituel, le format des rendez-vous du Congrès est celui que vous connaissez si vous y avez déjà participé. On va entendre l'intervention de Christophe Sand donc sur ses origines des habitants du pays calédonien, comme il a bâti sa conférence, son intervention. On va l'entendre pendant trois quarts d'heure, une heure, hein, c'est ça Christophe ? Une heure, voilà, une heure. Ce qui nous laissera ensuite un temps pour des échanges, questions-réponses avec l'intervenant. Si vous souhaitez intervenir, lui poser des questions sur le contenu de son intervention, il y aura du temps pour ça. Et c'est une soirée, donc le président du Congrès Rocco Amitan n'est pas là, mais c'est Velma Falaeo, qui est troisième vice-présidente du Congrès, qui va ouvrir officiellement ce rendez-vous du Congrès. Je vous passe la parole. Merci, Monsieur Baudin. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à saluer l'ensemble de la population de la société civile. Merci pour votre présence nombreuse. Ça fait plaisir. Je tiens à saluer également mes collègues, ceux du Congrès, ceux des différentes provinces, et saluer notamment M. Harold Martin, qui était ancien président du Congrès. Donc, désolé, je n'ai plus l'année en tête. Voilà, il y a eu tellement. En tout cas, bienvenue. C'est vrai que nous nous retrouvons dans l'hémicycle de la province sud, mais c'est bien un rendez-vous du Congrès. Et en propos préliminaire, pour cette fin d'année 2020, les rendez-vous du Congrès proposent d'interroger les conditions et le contexte qui ont conduit à travers le temps des hommes et des femmes à se frayer de gré ou de force
divers itinéraires vers la terre de la Nouvelle-Calédonie. Connaître le passé pour comprendre le présent, afin de nous projeter vers l'avenir sans le poids du passé, tel sera le fil conducteur des thématiques qui seront abordées de novembre 2020 jusqu'au début de l'année 2021. Le premier objectif de cette série thématique est de faire vivre l'histoire et la mémoire en donnant la parole à ceux que l'on n'entend jamais ou insuffisamment, afin d'établir ou rétablir la vérité, leur vérité, sur leur histoire oubliée ou refoulée, et recueillir la voix des communautés qui ont apporté leur contribution culturelle, économique, leur créativité, leur énergie à la vie collective et à la construction commune du pays. Le second objectif est de croiser les regards, car l'histoire de la Nouvelle-Calédonie se juxtapose à des histoires de communautés ethniques, de déportations, de main-d'œuvre, de traite humaine, de conflits ethniques, de tensions. La première conférence de cette série de thématiques est consacrée au regard croisé sur le peuplement de la Nouvelle-Calédonie, qu'elle soit pré-européenne ou contemporaine, l'histoire des communautés ethnocultures du pays. Dans ce contexte historique que traverse la Nouvelle-Calédonie, le fait de revenir sur l'histoire semble être opportun pour reposer les bases de la société calédonienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Monsieur Sand. Merci. Messieurs, dames, rebonsoir. Alors, je vais essayer de regarder mes notes le moins possible. Mais il y a beaucoup d'éminents historiens dans la salle, donc j'espère que je ne vais pas déraper sur des dates. La présentation de ce soir se veut une introduction à un certain nombre d'interventions qui auront lieu dans les semaines et les mois qui viennent des différentes communautés pour présenter chacune un petit peu leur histoire et puis leur vécu. Du coup, la présentation de ce soir se veut un petit peu égrener de façon très courte l'histoire calédonienne afin de casser un petit peu cette simplification, ce dualisme qu'on a trop tendance à vouloir jouer en Calédonie depuis un peu longtemps. Voilà, il y a les Caldoches, les Kanaks, il y a les indépendantistes, les non-indépendantistes. Et puis, en fait, j'ai essayé de prendre une liste. Et ce que ça donne, c'est que, en fait, au lieu de deux, eh ben, on arrive minimum à 24 éléments communautaires qui se succèdent au cours des derniers 3000 ans. Et donc, un petit peu comme une liste à la Prévert, en fait, je vais égrener toute une partie de ces groupes, de ces arrivées. Bien entendu, vous pouvez imaginer que 24 origines en 65 minutes, ça fait 2 minutes par groupe. Et c'est pour ça que je parle d'égrener, parce que nécessairement, je vais être extrêmement court sur chacune des communautés. Il y en a certaines pour lesquelles je vais être un petit peu plus long que d'autres. Il y en a certaines aussi sur lesquelles je vais aborder des sujets que je ne vais pas aborder pour d'autres communautés. Mais l'objectif ici, c'est juste de donner un panel avec les communautés elles-mêmes qui viendront dans les mois à venir présenter plus en détail leur histoire. Je vais être très factuel. Ça va être des dates, ça va être des événements. Je vais essayer le plus possible de ne pas être dans les jugements. Il y a juste un moment où je me permettrai de dévier de ce factuel pour donner un élément d'histoire qui, je trouve, est aujourd'hui trop oublié. Je commence par ceux qui étaient là depuis avant, comme on dit en Calédonie, les Kanaks. Sur les 3000 ans d'histoire, pendant plus de 2500 ans, en fait,
Le peuple premier est celui qui est là. Et cette histoire, elle commence autour de 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 120 générations, par l'arrivée de navigateurs qui, heureusement pour les archéologues, ont laissé une trace qui est très facilement reconnaissable. C'est un type de poterie très finement décorée, que les archéologues appellent les poteries Lapita. Et ces groupes culturels qui arrivent il y a 3000 ans sur des pirogues, eh bien, ces groupes culturels, ils ont une origine déjà métisse. Quand je dis déjà métisse, c'est parce que toute une partie de la racine culturelle, linguistique, génétique de ces groupes vient d'Asie du Sud-Est. Mais au fur et à mesure de la progression de ces groupes qu'on appelle austronésiens, par rapport à leur langue, eh bien ces groupes se sont métissés naturellement et une des phases de métissage importantes a été une phase de rencontre avec des groupes papous dans le nord de la Mélanésie, ce qui fait que dès le début de l'histoire du pays, on n'a pas affaire à des gens, entre guillemets, qui auraient un caractère ethnique extrêmement défini, on a déjà affaire à des gens qui ont une tradition aussi bien linguistique, mais surtout génétique et culturelle relativement diverse. Au fur et à mesure du temps, et là on parle de centaines et de quasiment 2000 ans, eh bien, l'enracinement de ces premiers groupes, avec l'arrivée d'autres populations, d'autres pirogues, des gens qui viennent du Vanuatu, des gens qui viennent de Fidji, des gens qui viennent parfois de plus loin, va créer progressivement les conditions de l'émergence de traditions culturelles qui sont spécifiques au pays calédonien. Et ces traditions culturelles, on va les voir très clairement avoir un caractère que les Kanaks reconnaissent aujourd'hui comme étant leur fondement identitaire. Ces caractères culturels, on les voit émerger il y a à peu près 1000 ans, autour de 1000 ans après Jésus-Christ. Et ces caractères, pour les archéologues, c'est quoi? C'est l'apparition du grand tertre de Case, c'est l'apparition des grandes taraudières, des grands billons d'igname, c'est la fabrication de formes de poterie, qui sont les formes de poterie qui vont être vues par James Cook en 1774 à Balade. C'est-à-dire qu'on a l'émergence de ce qui est un ensemble culturel traditionnel kanak il y a 1000 ans, mais cet ensemble traditionnel, il est la résultante d'évolutions locales. Ce n'est pas des gens qui arrivent d'ailleurs. C'est une évolution locale de tradition et d'adaptation culturelle. Et j'insiste là-dessus pour rappeler que toutes les civilisations du monde évoluent. Toutes les civilisations du monde, au fur et à mesure du temps, se transforment, changent et deviennent différentes de celles qui existaient plus tôt. On sait, grâce aux données archéologiques et grâce aux traditions orales, qu'à partir d'environ 1400-1500 après Jésus-Christ, on a des mouvements de population qui viennent de Polynésie occidentale et qui s'implantent dans différentes régions de l'arc mélanésien. En Nouvelle-Calédonie, on a très clairement celle que vous connaissez tous, c'est l'île d'Ouvéa, mais on a également d'autres implantations polynésiennes, que ce soit sur la côte est, sur la côte ouest, dans le nord, dans le sud. Et ces populations polynésiennes introduisent un certain nombre de nouvelles traditions. Ces populations polynésiennes font diversifier la génétique. Ces populations polynésiennes s'insèrent dans les tissus coutumiers préalables, préexistants, et on voit que dans certains cas, ces groupes finalement disparaissent dans le tissu, alors que dans d'autres cas, comme sur Ouvéa, dans le nord, la pointe nord et la pointe sud d'Ouvéa, on va avoir une spécificité culturelle et linguistique polynésienne qui va se maintenir jusqu'à aujourd'hui. On a donc, suivant les régions, des variations dans la manière dont les gens s'insèrent dans les structures humaines préexistantes à leur arrivée. En 1774, on a
le premier contact entre des Occidentaux et des Kanaks à Balade avec l'arrivée de James Cook. Pendant très longtemps, on a considéré, ou les historiens ont considéré, que ce premier contact ainsi que les contacts suivants, que ce soit celui de La Pérouse, de D'Entrecasteaux, etc., finalement, ça avait été simplement des rencontres sur les plages, et puis que, une fois que le bateau était parti, les gens revenaient à leur travail quotidien. On voit aujourd'hui, grâce aux travaux de l'archéologie partout dans le Pacifique, qu'en fait, cette première période de contact a été une période de contact qui a impacté sur les populations. Pourquoi ? Parce que les Européens sont arrivés avec leurs maladies. La grippe, la tuberculose, la rougeole, les oreillons, sans parler de la syphilis. Les Océaniens, ils n'avaient jamais vu ces maladies, ils n'avaient jamais vu ces bacilles, ils n'avaient jamais vu ces... Et du coup, eh bien, se développent dans les populations océaniennes un certain nombre d'épidémies, parfois extrêmement destructrices, mortelles, qui vont nécessairement impacter, alors qu'il n'y a pas un Européen dans le coin, déjà sur le fonctionnement des sociétés traditionnelles. Ce processus va être accéléré, démultiplié en Calédonie à partir du moment où vont arriver les missionnaires, puis va se faire la prise de possession en 1853. On va avoir des processus de christianisation, on va avoir des processus de spoliation foncière, on va avoir des processus... qui vont être d'enfermement dans les réserves, de situations d'impôts de capitation où les gens devaient travailler chez les colons ou sur les routes dans le cadre d'un impôt colonial. Et donc, il ne faut à aucun moment oublier que le processus des derniers 200 ans est un processus qui impacte de façon extrêmement violente pas seulement la démographie kanak, mais les modes de vie et, j'allais dire, l'impact sociétal profond des groupes de premier peuplement. Ce n'est pas le lieu ici de développer plus avant, mais je tenais absolument à insister là-dessus avant de passer à la suite. Et je veux terminer cette partie sur les sociétés d'avant le premier contact, d'avant ceux qui vont arriver, après, par, vous m'aurez compris, pour souligner que la période coloniale pour les Kanaks ne doit pas être uniquement vue comme une période où les Kanaks y subissent. Durant cette période, les Kanaks, ils sont acteurs de leur histoire. Et pas seulement acteurs au niveau de la résistance, ils sont également acteurs sur le quotidien, sur la recherche de travail, sur s'embarquer sur des bateaux, sur partir à la guerre, sur aller venir faire la... des pilou-pilou à Nouméa quand vous êtes sur Païta ou que vous êtes à la tribu de Saint-Louis. C'est-à-dire qu'on a absolument à prendre en considération que les Kanaks, dans l'histoire coloniale, sont des acteurs du processus colonial autant qu'ils subissent ce processus colonial. Alors j'ai volontairement décidé de ne pas parler des premiers découvreurs, de ne pas parler des beachcombers, etc. Parce qu'en fait, à part d'avoir laissé des gènes et des métis, ça s'arrête là. Et ce qu'on a en fait comme vrais premiers qui s'installent, à part les missionnaires, ce sont ceux que j'ai regroupés sous le terme d'aventuriers. Certains d'entre eux sont là avant la prise de possession. On peut penser à James Paddon, qui est installé à l'île Nou dès 1851, qui a du bétail,
qui fait du Santal, qui est commerçant, qui a des relations avec Quindo et les chefferies du sud de la Grande Terre, et Padone, qui est marié avec une femme du Vanuatu et qui a des enfants, en fait, est l'archétype de l'aventurier qui a réussi et qui se retrouve dans une situation où il arrive sur une île, la Nouvelle-Calédonie, qui est une île libre, et où il subit lui-même les conséquences de la prise de possession française. Il y a un moment où il va devoir quitter la Calédonie, il va vendre l'île Nou en 1857, pour l'année suivante être installé sur 4000 hectares à Païta, avec comme objectif donné par les Français d'être un des premiers à créer un colonat. Et donc il va faire venir une vingtaine de colons, 18 au total, qui vont être les tout premiers à s'installer sur les 4000 hectares, un peu moins, de Païta. On a d'autres aventuriers, je peux penser au Pentecôte, je peux penser à Higginson. Higginson qui arrive en 1859, quasiment sans le sou, d'Australie, et qui va être l'archétype de celui qui va réussir. Il va réussir en utilisant des moyens plus ou moins légaux. Il se lance dans l'élevage, il fait du commerce, il fait du blackbirding, c'est-à-dire qu'il fait un peu de la traite des gens des Nouvelles Hébrides pour le travail. Et puis en 1880, il crée la société Le Nickel. Et il va être un des grands artisans du premier développement de la mine en Calédonie, avec Jules Garnier, qui a découvert la garnérite 10 ans plus tôt, etc. Le fait de développer le nickel marque un des éléments structurants de l'histoire coloniale calédonienne, c'est celle de la main-d'œuvre. On ne peut pas comprendre l'histoire coloniale calédonienne si on ne comprend pas le besoin de ce pays tout le temps en main-d'œuvre, et en particulier en main-d'œuvre pour la mine. Durant les deux premières décennies de la colonisation, après la fondation de Port-de-France qui va devenir Nouméa, eh bien on a déjà des petits colons qui viennent s'installer. On a des gens qui étaient des aventuriers au long cours qui s'enracinent. On a des militaires qui, au lieu de rentrer en France, restent là. Et donc on a un processus qui est finalement très rapide, après la prise de possession, d'un premier tout petit colonat, un petit peu d'aventuriers qui vont s'installer sur Pueblo ou ailleurs, et dans une démarche qui est finalement très peu organisée et très peu suivie par l'administration. La première vraie organisation pensée au niveau d'un développement agricole, tourne à partir de 1859, vous voyez, c'est quelques années après la prise de possession, autour de l'idée de faire de la Calédonie un pays de canne à sucre. Et où est-ce qu'il y a de la canne à sucre ? À La Réunion. Du coup, on va, surtout à partir de 1865, au moment où il y a une crise de la canne à sucre à La Réunion, on va faire venir un certain nombre de Bourbonnais de l'île de Bourbon afin de développer ce qui va être le seul projet dans l'histoire coloniale calédonienne, c'est celle de très grandes plantations. Alors, finalement, là, vous avez M. de Gréland, qui est
la figure de proue des Bourbonnais. Finalement, ils ne vont pas être très nombreux. Ça représente à peu près une cinquantaine de personnes. Mais par contre, ceux qui vont être nombreux à suivre les Bourbonnais, ça va être les travailleurs malabars, qui, eux, vont être plusieurs centaines à venir travailler la canne à sucre en Calédonie, principalement sur la côte ouest. On va avoir jusqu'à 8000 hectares. Je vais vous citer des noms que vous connaissez. C'est la plaine de Coé, c'est la Tamoa, c'est la Wameni. Ce sera aussi la Tiwaka sur la côte est. Et donc, ils vont installer des grandes plantations. Ils vont installer des usines pour extraire le sucre. Mais assez rapidement, ces grandes plantations vont péricliter pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il manque de sous. Deuxièmement, et surtout, parce qu'on a imaginé que la Calédonie, c'était un Eldorado, alors qu'en fait, y a des criquets, il y a des sécheresses, la terre est finalement pas aussi riche qu'on le croyait, et puis il y a des cyclones. Et donc, à partir du début des années 1870, on va avoir progressivement un étiolement des plantations, des faillites, et surtout une concurrence. Et cette concurrence, c'est la concurrence de la mine. Ce qui va donner le coup de grâce aux Bourbonnais, ça va être la révolte Kanak de 1878, lors de laquelle un certain nombre d'usines vont être détruites. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est l'administration pénitentiaire qui va prendre la suite. C'est un certain nombre de grandes fortunes locales qui vont prendre ou racheter les terres, avec, elles, dans l'idée très claire, d'éviter d'avoir des petits colons libres et plutôt d'avoir des grandes exploitations d'élevage. Je pourrais vous parler du phalanstère de Yaté, je n'ai pas le temps. Je vais insister un petit peu plus sur ce qui va faire la grande arrivée d'Européens et de Nord-Africains en Calédonie, c'est le bagne. Alors, vous avez plus de 1100 pages écrites sur le bagne et récemment publiées par Louis-José Barmançon, donc j'aurais honte de faire un grand développement là-dessus. Simplement pour rappeler que vous avez un tout petit peu moins de 30 000 condamnés qui arrivent et plus des deux tiers de ces 30 000 condamnés sont des transportés de droit commun. Et ces transportés de droit commun vont subir ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire que si vous êtes condamné à moins de 8 ans, une fois que vous avez fini votre peine, vous êtes obligé de rester le même temps que celui où vous avez été condamné avant d'être autorisé à rentrer en France. Et si vous êtes condamné à 8 ans ou plus, vous n'avez plus le droit de rentrer. Même si vous faites toute votre peine, vous ne pouvez plus rentrer. C'est-à-dire que le législateur français a fait ce qu'il fallait pour permettre à la Calédonie, d'une part, d'être un endroit où on envoie tous les rebuts de la France, mais d'autre part, également, un endroit où on peut enraciner un petit colonat européen. Mais avant de devenir des colons, les bagnards subissent leur peine à l'île Nou, comme vous le connaissez, mais également de façon beaucoup plus violente au quotidien, avec beaucoup plus de souffrance, sur tous les camps extérieurs. Et l'administration pénitentiaire dévie de sa fonction première à cause de la mine et va passer des contrats que l'histoire appelle des contrats de chair humaine avec un certain nombre de grands mineurs, Higginson en premier, permettant d'avoir des centaines de bagnards travaillant quasiment pour rien sur les mines calédoniennes, traités de façon quasiment esclavagiste,
Et surtout, l'avantage pour les mineurs, c'est que à chaque fois qu'un bagnard mourait, eh bien, il était remplacé. Et Louis-José a fait une étude très précise sur un certain nombre de sites miniers, montrant que une partie des bagnards qui sont envoyés sur les mines, ils meurent dans la première année. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent même pas un an tellement sur les mines de Thiot, il fait froid, ils n'ont pas assez de couverture et ils sont maltraités et mal nourris. Mais l'objectif final, au-delà d'avoir des travailleurs très peu chers, c'est de créer un colonat en Calédonie. Un colonat de paysans. Paysans, ça veut dire mettre des gens à la terre. Mettre des gens à la terre, c'est qu'il faut avoir la terre. Et le processus de spoliation foncière envers les Kanaks va prendre un tournant extrêmement important et dramatique à cause du bagne. On va avoir des spoliations d'abord sur la côte ouest, puis sur l'ensemble de la Grande Terre, avec la création d'un certain nombre de centres du bagne, de bagne, que ce soit La Foix, que ce soit Bouraille, que ce soit Pointe-Bout, etc., où on met les bagnards en cours de peine ou en fin de peine sur des concessions, souvent un petit peu plus de 4 hectares. On leur donne les moyens de démarrer et puis après, à eux de se débrouiller. Toute une partie des bagnards, ils vont finir leur peine ou leur vie sans même avoir été mis sur concession. On a une vraie misère de fin de vie de toute une partie des bagnards, pas mariés, sans famille. Ici, vous avez à droite un camp qui se trouve dans le fond de la Dimbéa à la fin du 19e siècle. Il y avait déjà des squats autour de Nouméa à l'époque, vous voyez. Ça ne date pas d'hier. Mais même si on n'a pas fait, à ma connaissance, d'études précises sur combien de familles sont sorties du bagne, eh bien, on a une vraie importance des descendants de bagnards dans la société calédonienne aujourd'hui. Mais s'il y a famille, s'il y a descendance, c'est qu'il y a femme. Vous aurez remarqué que depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé des femmes. Pourtant, elles sont là. Hein. Mais en fait, dans l'histoire, on a du mal à leur trouver une place. Et dans le bagne calédonien, non, j'insiste, dans le bagne calédonien, les bagnards qui sont mis sur concession, l'objectif, c'est de faire descendance. On va avoir des bagnards qui vont se marier ou qui vont faire des enfants avec des femmes kanaks, avec quelques chinoises, et puis avec des filles de colons libres. Et puis, il faut trouver plus. Et donc, l'administration va aller chercher dans les prisons françaises des femmes en leur disant, si vous acceptez d'aller vous marier de l'autre côté de la terre, on revoit votre sentence. Et va se faire, entre autres, à Bouraille, l'invention, faudrait qu'on soit fiers en Calédonie de ça, l'invention du speed dating. Parce que quand même, ces dames qui étaient prises en charge par les sœurs dans le couvent, dans un des bâtiments de Bouraille que la Calédonie appelle le paddock, c'est clair, étaient donc dans la petite case, là, le kiosque que vous voyez en haut à gauche, recevaient des concessionnaires bagnards, et puis qui venaient se présenter, donc... Il devait quand même se dire, il fallait qu'elles choisissent ça. Vous vous rendez compte, c'était les femmes qui choisissaient avec qui elles allaient se marier, ce n'était pas le contraire. Et puis, après avoir vu 10 ou 15 bagnards, elle allait voir la bonne sœur et elle lui disait, le numéro un tel, ou alors, non, j'ai trouvé personne. Voilà. Ce qui fait qu'à l'église de Bouraille, celle
devant laquelle vous passez encore aujourd'hui au centre du village, on avait des mariages multiples, mariés 15-20 couples, qui étaient installés sur des concessions pour le meilleur et pour le pire, vraiment pour le meilleur et pour le pire. Vous avez des familles de 10, 15, 18 enfants parfois. Vous avez des femmes qui sont récupérées parce que, eh bien, elles sont soumises à la prostitution. Et puis, vous avez aussi, parmi tous ces enfants, eh bien, la considération de l'administration que ce sont des enfants de proscrits. Et donc, va se mettre en place, à partir de la fin du 19e siècle, un processus qui est d'éduquer ces enfants en les arrachant à leurs parents. Vous avez Néméara, vous avez d'autres endroits où on va prendre les enfants de Bagnard pour éviter d'en faire de la mauvaise graine. Durant ce processus, vous avez d'autres arrivées. Et je voudrais juste citer en passant, parce que je ne peux pas faire plus vite, les néo-hybridés. Higginson fait venir à peu près 2000 néo-hybridés, Jean Duvanon à tout, une partie d'entre eux récupérés contre leur vœu en blackbirding, et il va les faire travailler sur les mines en bagaillou. Regardez. Là, on voit les fesses de ces gens. Quand vous savez que sur les plateaux miniers de Thiau, en hiver, il peut faire 3-4 degrés, mais en fait, eux, ils n'ont pas fait descendance, parce qu'eux, ils sont morts. La mise en avant, ou j'allais dire l'acceptation par les Calédoniens de leur histoire du bagne après l'avoir refoulée pendant 3 générations a été telle au cours des 25 dernières années qu'on a fini par oublier ou mettre un petit peu au rebut toute l'histoire de la colonisation libre. Parce que durant toute l'histoire, toute la période du bagne, on continue à avoir des gens qui arrivent. J'ai pas le temps d'en parler là, mais il semble important de rappeler que si le bagne s'arrête, c'est parce qu'on a un gouverneur, le gouverneur Feuillet, qui décide de fermer le robinet d'eau sale. La réputation de la Calédonie est tellement mauvaise à cause du bagne qu'il décide qu'il faut régénérer tout ça, là, et puis que visiblement les bagnards ne savent pas faire des bons colons. Il faut des bons colons libres. Et du coup, avec le soutien de Bernheim, il va mettre en place une politique avec de la publicité dans les journaux en France, etc., qui va permettre, à l'extrême fin du 19e siècle, entre 1895 et 1903, de faire venir à peu près 1000 personnes. Et on a à peu près 500 familles qui sont installées sur des concessions. Des concessions, ça veut dire encore de la terre. Et le grand cantonnement, la fin des spoliations foncières, se fait en relation avec les colons feuillets, dans certains cas, avec la France qui, finalement, ne respecte pas la parole qu'elle a donnée sur la protection des terres kanaks. On peut, entre autres, penser au Kanala, qui avait participé à la répression de 1878, avec la garantie que leurs terres ne seraient pas spoliées et qui se retrouvent à ce moment-là à constater que la parole n'a pas été respectée. Le projet de Feuillet est un projet qui est ambitieux et un projet qui se veut économiquement viable. L'idée, c'est de planter du café. On demande aux nouveaux qui arrivent d'avoir un fonds, à peu près 5000 francs, et d'avoir une expérience dans l'agriculture. Christiane Terrier a fait sa thèse sur les colons feuillets et démontre qu'en fait,
La moitié, ils n'étaient pas du tout agriculteurs et ils n'avaient pas un rond. Ce qui fait qu'au moment de l'effondrement des cours du café en 1912, en fait, la moitié des colons feuillés, ils sont déjà plus colons. Il y en a une partie qui sont repartis, tout simplement, et puis il y en a d'autres qui sont déjà venus s'installer sur Nouméa. Et donc, on a un petit colonnat de colons libres qui va s'égrener le long de la Grande Terre, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, ne vivent pas dans l'opulence. Quand vous regardez les cases, ce n'est pas du clinquant. Il y a une communauté qui est un petit peu anachronique dans cette région du Pacifique, c'est les Arabes. Alors, l'image qu'ont la plupart des Calédoniens des Arabes de Calédonie, c'est cette image-là. C'est les Kabyles à l'île des Pins avec leur burnous. Mais en fait, ça, c'est 5% des Arabes de Calédonie. La réalité, Louis-José Barmanchon l'a très bien montré pour l'expo Calédoun, c'est que, en fait, sur les 2000 et quelques Nord-Africains qui viennent au bagne de Calédonie, plus de 1800 sont des transportés. Et donc, subissent les chaînes, sont dans un contexte de bagne normal, sont mis sur concession, pas seulement à Nessa Diou, mais partout, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des bagnards particuliers, et vont être agriculteurs, éleveurs, travailler beaucoup sur les concessions des autres. Quand vous lisez les textes sur Nessa Diou des années 1930, vous voyez qu'on est dans un lieu de misère, aussi bien sociale que matérielle, qui est terrible. Il n'est pas étonnant que, en fait, durant cette période-là, eh bien, une partie des Arabes, c'est des bandits de grand chemin. Il existe des cavaliers, c'est un peu comme les Dalton, si vous voulez, qui écument la côte ouest, qui attaquent les diligences. Et puis, quand les gendarmes ils commencent à se rapprocher un peu trop, ils vont se réfugier à Nessa Diou, et puis ils terrorisent la population de Nessa Diou. Ce qui fait tenir cette communauté, c'est le fait qu'elle est résiliente, qu'elle se rattache au cheval, et que finalement, on a des gens qui finissent par comprendre qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux. Et si vous avez aujourd'hui encore des enfants de bagnards arabes vivants, qui ont 80, 90 ans, c'est parce que toute une partie de ces vieux Arabes, ils se sont mariés tard avec des filles jeunes. Moi, mon arrière-grand-père, il avait probablement 45 ans, il s'est marié avec mon arrière-grand-mère qui en avait 15. Et du coup, eh ben, vous avez nécessairement des enfants qui sont encore vivants aujourd'hui. Il faut insister sur la résilience, mais aussi la capacité de ces bagnards à trouver des portes de sortie, que ce soit en se mariant avec des non-musulmanes, puisque leurs femmes sont interdites par l'administration de venir, ainsi que leurs enfants. L'acceptation que leurs enfants puissent devenir chrétiens. Ici, vous avez la chapelle de Nessa Diou. Et puis, à partir du moment où les gens ont la liberté de circuler, c'est de trouver des niches économiques. Mokrani, à la fin du 19e siècle, avait une entreprise de fiacre. Mais toute une partie des Arabes qui vont s'installer sur Nouméa, ça va être des conducteurs de fiacre à partir du début du 20e siècle. Et donc, on est au tournant du 20e siècle,
dans une situation où la Calédonie a mauvaise réputation, où toute une partie des gens vivent relativement mal, où une partie des quelques quartiers de Nouméa, c'est plutôt des cloaques qu'autre chose, et où surtout la fin du bagne pose un problème à la mine, et ce problème, c'est que on manque de main-d'œuvre. Les premiers que va essayer d'aller chercher la SLN, ça va être les Japonais, avant même la fermeture du bagne, 1891. Pourquoi les Japonais? Tout simplement parce que les Japonais, c'est des bons travailleurs et parce que les Japonais ont déjà une tradition d'aller ailleurs dans le Pacifique, que ce soit en Australie, que ce soit à Hawaï, etc. Et donc, la SN va négocier, va faire venir en... Où suis-je? En 1892, un premier contingent d'environ 600 engagés qui vont découvrir en Calédonie des manières de travailler extrêmement violentes parce qu'elles sont liées à la violence du bagne et qui donc, à peine arrivés, vont se révolter en disant « Mais attendez, non, vous ne nous donnez pas le coup de fouet. » La répression qu'ils vont subir va être à l'image du bagne, va les enfermer dans les cachots, etc. Et donc, même s'ils ont des contrats de 5 ans, ils vont, pour toute une partie d'entre eux, partir le plus rapidement possible et les autres ne vont pas renouveler leur contrat. Et ce n'est qu'à partir de 1905, qu'on va avoir l'arrivée de nouveaux Japonais qui vont se monter au total à peu près 3000 personnes avec des contrats sur 5 ans. Ils arrivent directement à Tio, ils travaillent sur les mines. Vous avez la levée de drapeau sur la photo de droite, là, du drapeau japonais. Vous avez des gens qui sont extrêmement organisés, qui sont, qui exigent un minimum de confort. Ça veut dire que la SLN, pour pouvoir les garder, va devoir construire des bains japonais. À certains moments, elle va même devoir importer du Japon de la nourriture japonaise pour satisfaire les ouvriers. Et malgré tout, elle va avoir une érosion de ses ouvriers parce qu'ils se rendent compte très rapidement que finalement, il vaut mieux qu'ils cassent leur contrat pour aller travailler ailleurs. Ils sont mieux payés. À partir de 1913, les Japonais, qui sont des citoyens japonais, très important à souligner. Les Japonais sont autorisés à rester en Calédonie. Et donc, une partie d'entre eux vont finalement s'enraciner à la fin de leur contrat, vont rester là, vont ouvrir des magasins, vont ouvrir des commerces, vont se marier. Il y a très peu de femmes japonaises, donc ils vont se marier avec des femmes européennes. Un certain nombre d'autres femmes asiatiques, on va y revenir. Et donc, vont développer des commerces, et les Japonais sont en fait les premiers colons non-européens de l'histoire coloniale calédonienne. Avant eux, c'est que des Occidentaux. Parce qu'ils développent le commerce, ils vont aussi faire rentrer la Calédonie, j'allais dire, dans l'espace monde. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises japonaises qui vont venir investir en Calédonie, en particulier sur les mines. Vous savez, la mine des Japonais... À Yaté, à Goro, mais également dans la SLN. Et ça a perduré. Aujourd'hui, dans le capital de la SLN, vous avez des capitaux japonais. Ça remonte à cette période-là. Vous aurez compris, les Japonais, ils travaillent très bien, mais ils ne sont pas malléables. Et donc, la mine va aller chercher d'autres Asiatiques, mais qui, sont plus malléables, tout simplement parce qu'ils ne sont pas citoyens, ils ne sont pas défendus par un pays. Ils sont sujets. Les premiers, c'est les Chondang, les Vietnamiens, les Indochinois, qui vont arriver également avec des contrats de 5 ans,
mais qui, eux, arrivent dans des conditions juridiques totalement différentes. Ils sont matriculés, c'est-à-dire qu'ils ont des noms tellement difficiles que vaut mieux leur donner un numéro, plus simple. Ils sont sans véritable protection juridique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont chez un employeur, eh bien, ils sont corvéables, malléables à merci. Et ils vont être finalement une des grandes forces de main-d'œuvre pour la mine calédonienne. Leur arrivée va s'étaler sur une trentaine d'années avec, j'insiste dessus, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, avec le fait que si les premiers viennent du sud, la grande majorité des Vietnamiens, en fait, vont venir du nord du Vietnam. Ils vont être la grande force de travail pour aller chercher le minerai de nickel. C'est eux qui sont à la pelle et à la pioche. C'est eux qui font le travail le plus dur. Ils font le travail le plus dur dans un contexte où les entreprises minières peuvent se permettre d'appliquer sur cette main-d'œuvre un peu les mêmes types de manières de travailler que ce qui était appliqué au contrat de chair humaine. On est moins dans l'exploitation humaine déshumanisée, mais on est néanmoins dans un travail extrêmement rude. L'autre communauté, ce sont les Javanais. Les Javanais qui, eux aussi, ne sont pas des citoyens. Java est une colonie hollandaise. Eux aussi sont matriculés. On a plus de photos avec des gens avec les numéros. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont très jeunes. Et eux vont arriver un petit peu plus tard, et surtout entre les années 20 et les années 30. En tout, on va avoir l'importation de 20 000 Javanais. C'est un chiffre énorme pour l'époque, parce qu'il y a à peu près 50 000 habitants en Calédonie. C'est une toute petite colonie. Alors, bien entendu, il n'y a pas 20 000 Javanais en une seule fois. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, etc. Leur travail à eux, c'est effectivement également de travailler sur les mines, mais ils ont, j'allais dire, un travail un petit peu moins dur, puisqu'ils sont surtout à pousser et à remplir et à vider les chariots. Et puis, ces Javanais, ils sont également utilisés sur les propriétés, que ce soit comme ouvriers agricoles, pour le café, entre autres, que ce soit comme domestiques, que ce soit comme gardiens, que ce soit comme jardiniers. Et puis, ils vont avoir, c'est important dans la mémoire collective calédonienne, ou d'une partie de la Calédonie, ils vont avoir également le rôle de la bayou. C'est la mamie à tout faire dans la maison. Pas seulement des riches bourgeois de Nouméa, mais également en brousse sur les petites concessions rurales. Et je vous ai pris cette photo parce que, en fait, nos mamans qui ont eu des bayous, elles ont un souvenir de ces mamans de substitution qui est extrêmement fort. Il y a un vrai sentiment filial par rapport à ces mamies. Et en fait, quand vous regardez la photo, là, vous voyez des enfants qui sont extrêmement joyeux, mais dans les yeux de la bayou, là, ce n'est pas la même expression. On a des arrivées
Mais en fait, la dernière arrivée réellement coordonnée est une arrivée en 1926 d'à peu près 240 personnes. Ces 240 personnes, elles ont été appelées en Calédonie ou démarchées par un ancien maire de Nouméa qui a dit que ce serait bien de faire du coton en Calédonie. Que la Calédonie a tout ce qu'il faut pour faire du coton. Le nord de la France, à l'époque, est dévasté par la Première Guerre mondiale. Et donc, y a plusieurs dizaines de familles qui acceptent de tout vendre pour venir en Calédonie. Et figurez-vous que la colonie leur propose d'aller faire du coton à la Dawi, à Bouraï. La Dawi, c'est que des Niaoulis. Ils travaillent comme des fous. Ils sont installés à Nessadiou. Ils sont guidés par un monsieur Bernast. Ça sonnera familier à un certain nombre de vieux Calédoniens. Mais en fait, c'est une catastrophe. Une vraie catastrophe. Et quelques mois après leur arrivée, en fait, il y a toute une partie d'entre eux qui se plaignent au plaid de l'administration de l'État et qui demandent à rentrer chez eux. Et donc, l'expérience des nordistes va être encore un raté. Quelques-uns vont finir par aller s'installer à Guaro. C'est pour ça qu'à Guaro, vous avez la route des nordistes, à Guaro d'Eva. Mais toute une partie, les deux tiers vont repartir ou alors venir s'installer sur Nouméa. Cette période de l'entre-deux-guerres est une période où, il faut le rappeler, l'État, la France, a à se reconstruire et abandonne en partie ses colonies. Du coup, on est avec des jeunes qui, pour certains d'entre eux, sont déjà de deuxième génération et qui entament un processus d'enracinement à la Calédonie dans une période où la force de l'État n'est pas réellement présente. Et cette période est également marquée par l'omnipotence des grandes maisons de commerce. Pensez aux Balandes, aux Barreaux. Une partie de ces maisons de commerce font leur fortune sur le petit Colonna en finalement avançant de l'argent ou des denrées jusqu'au moment où les gens définitivement ils peuvent pas payer. Et à ce moment-là, la seule manière qu'ils ont de pouvoir payer leurs dettes, c'est de vendre leur terrain. Et donc, on a un exode rural vers Nouméa qui se fait dans l'entre-deux-guerres, qui est un exode, encore une fois, avec des squats, déjà, à la recherche d'une vie meilleure pour quitter toute une partie de la misère de la brousse, du poids également du fait d'être des enfants de bagnards et d'être sur des concessions du bagne, même si le bagne a fermé. Et puis, à Nouméa, il y a la SLN, il y a du travail. La SLN est déjà un des grands moteurs qui permet d'envisager un avenir. Mais Nouméa, c'est une petite ville de province, une petite ville coloniale, une petite ville française du bout du monde. Et donc, là vont s'entrechoquer des traditions de brousse avec une réalité du monde colonial, culturel colonial. Et vous voyez, c'est les courses de vélo, vous regardez les bonnes sœurs en train d'apprendre aux jeunes filles, même si elles ne sont pas de bonne famille, le violon, le piano, apprendre à coudre, etc. Et donc, on a un processus d'enracinement, mais un processus d'enracinement qui est tout à fait original, parce que, en fait, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, plus de 50% de la population est la population kanak. Et cette image-là, finalement, rappelle cette réalité. Ici, vous avez des scouts. En 1838, on est en pleine période de l'indigénat.
1900, pardon, oui. Je commence à être fatigué. 1938. Et les Kanaks sont enfermés dans les réserves, etc., etc., tout ce que vous avez dans les livres. Ben, si vous regardez, là, c'est un départ des petits Calédoniens à un jamboree à Sydney. Donc, vous avez des garçons blancs à gauche. À l'arrière, vous avez des filles blanches. Mais au premier plan, à droite, vous avez des scouts Kanaks. Et quand cette équipe de scouts est partie à Sydney pour le jamboree, c'est-à-dire avec des scouts du monde entier, est-ce que vous savez ce qu'ils ont construit pour représenter la Nouvelle-Calédonie? Une case Kanak avec deux chambranles. Ils n'ont pas construit une maison coloniale. Ils ont construit une case Kanak avec deux chambranles. C'est simplement pour souligner que ce processus d'enracinement, même en pleine période coloniale, même en pleine période de l'indigénat, commence à faire que les passerelles se construisent avant même la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, vous avez l'équipe de la Vallée du Tir de foot, 1928. Vous avez Dubois, Cubada, Saugier, Rabot, Guénan, Savoie, Olivo, Délé, enfin que des noms que vous connaissez bien. Et puis, si vous regardez, vous avez un monsieur Armand, et puis vous avez Marcelin et Ebenezer, en bas sur votre droite. L'équipe de la Vallée du Tir a deux joueurs Kanak, déjà. Alors, vous aurez remarqué qu'ils n'ont pas de nom de famille. Mais bon, Ebenezer, ça doit être encore un Lifou. Et puis, vous voyez qu'on est dans cette période bien particulière avec un système qui ne peut pas être qualifié d'un système de total apartheid. On est dans quelque chose qui déjà est bien plus subtil que ça. Le grand bouleversement, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La France, la Calédonie est le premier territoire à se rallier à la France libre. En 1942, vous avez les Japonais qui sont, qui sont déportés en Australie. On a en 1942, 1104 Japonais, dont 57 femmes. Et je vous rappelle que leurs biens sont confisqués et ne leur seront jamais rendus. Mais vous avez le même processus avec les Italiens qui vivent en Calédonie et qui ont gardé la nationalité italienne. Eux aussi, on leur prend tout et on les envoie en Australie. Il n'y a pas que les Japonais. C'est l'arrivée des Américains, il y a quand même 1 million d'Américains, enfin d'Américains néo-zélandais, australiens qui passent par la Calédonie durant la guerre. Et puis, à la fin de la guerre, vous avez des tensions qui montent sur les mines parce que les Vietnamiens, entre autres, depuis 1939, on ne peut plus les renvoyer chez eux. Ils sont bloqués en Calédonie. Et donc, ils se révoltent. Et on a, entre autres sur Tibagi, un certain nombre de longues révoltes durant la guerre avec des leaders qui sont emprisonnés sur les îlots en face de Kumak, etc. À la fin de la guerre, avec le discours de Brazzaville du général de Gaulle, on est dans un processus lent de fin de l'indigénat. Tous les non-français, tous ceux qui avaient un statut servile, vont progressivement accéder à la citoyenneté française. Mais dans un contexte qui est un contexte politique qui a changé. Les Vietnamiens soutiennent le Viet Minh pour l'indépendance du Vietnam. On a, au niveau des Indonésiens, des Javanais, 10 000 Javanais en Calédonie en 1946.
c'est une des très grosses communautés. Ces Javanais, pour les trois quarts d'entre eux, vont demander à rentrer à Java à partir de 1946. Je vous rappelle qu'en 1949, l'Indonésie devient indépendante. Et donc, on a toute une série de bateaux qui vont faire que vous allez avoir plus de 6500 Indonésiens qui vont rentrer chez eux. Cette période est une période qu'on dirait avoir oubliée dans l'histoire calédonienne. Parce que cette période qui est l'entrée des Kanaks dans la vie civile, la création de Louis Callot et de l'AICLF, qui vont entamer le processus d'invention de l'Union calédonienne, ça se fait dans un contexte calédonien où les Kanaks ne fonctionnent pas tout seuls. Ils sont dans un contexte de décolonisation où ils sont épaulés et ils se retrouvent main dans la main avec un petit colonat blanc, souvent pauvre, qui veut faire changer le système. Et ce petit colonat va se regrouper avec les Kanaks pour inventer un concept qui est unique dans l'histoire coloniale, deux couleurs, un seul peuple. Au-delà de la formule qu'on nous rabâche tout le temps, imaginez la puissance que représente cette phrase au sortir de la colonisation au début des années 1950. Et on ne peut pas comprendre de couleur un seul peuple si on ne se rappelle pas quelles sont les actions de cette période-là. Ici en bas, vous avez le séminaire de Païta. Ici, vous avez Jean-Marie Veillon. Là, vous avez Jean-Marie Tchibaou. Là, vous avez Michel Potin. Vous avez des Asiatiques, vous avez des Polynésiens. C'est-à-dire que vous êtes dans un contexte où les gens ils sont pas divisés. Et la particularité de la Calédonie de ce moment-là est telle qu'en 1956, après la création du premier syndicat libre de Calédonie, qui s'appelle le syndicat autonome, les syndicalistes, ils vont faire une grève extrêmement dure contre la SLN pour revendiquer, vous savez quoi ? La parité des salaires entre eux, qui sont bien payés, et les non-blancs, qui sont payés moins cher. Et ils vont mettre en danger la SLN, risque des fours qui refroidissent, afin de faire céder cet État dans l'État qu'est la SLN à cette époque-là, afin que les non-blancs ils aient les mêmes salaires que les blancs. Avec un certain nombre d'autres historiens calédoniens, on cherche ailleurs dans les histoires coloniales du monde un exemple pareil. On n'a toujours pas trouvé. Si j'insiste là-dessus, c'est simplement pour vous dire qu'on a, à ce moment-là, au moment où va se mettre en place l'autonomie interne, au moment où on va avoir un premier gouvernement, ou au moment où la Calédonie va être autorisée à faire ses propres lois, etc., on est dans un contexte historique de première décolonisation où les petits blancs, les Kanaks, les Asiatiques qui sortent de contrat vont se mettre ensemble pour essayer de créer une nouvelle société calédonienne. Bien entendu, je ne veux surtout pas donner l'impression que les années 50, c'est le paradis sur Terre. Non, ce n'est pas vrai. Toute une partie des Blancs, ils sont anti-UC à fond. Et puis, vous avez aussi des tensions à l'intérieur de la société calédonienne. À partir de 1950, les Vietnamiens ne peuvent plus être renvoyés au Vietnam. Parce qu'il y a deux Vietnams. Le Vietnam du Nord est communiste et la France ne veut surtout pas avoir affaire
avec le Vietnam du Nord. Or, toute une partie, souvenez-vous, des Vietnamiens, de Calédoniens, ils viennent du Nord. Donc eux, ils ne veulent surtout pas aller dans le Vietnam du Sud, qui est encore à moitié, je ne sais pas quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux. Et donc, ils sont bloqués ici. En même temps, ils représentent un danger économique, parce que maintenant qu'ils sont devenus citoyens, eh ben, ils font du commerce. Et il y a un certain nombre de grandes maisons de commerce qui ne sont pas du tout contents de voir arriver cette concurrence. Et il y a un sentiment anti-Viet qui se crée. On casse les vitrines, Viet dehors, etc. etc. Et j'ai retrouvé cette photo. Le CDIC, Comité de défense des intérêts calédoniens, rapatriement des Viet. Et c'est qui tient les banderoles? Ben, y a des Blancs et puis il y a des Kanaks. C'est-à-dire que là aussi, ils sont main dans la main contre les Vietnamiens. Et le processus va faire que on va avoir... on va avoir le gouvernement calédonien qui va, à la fin des années 50, faire quelque chose de complètement inimaginable aujourd'hui. Il va passer au-dessus de l'État français et il va négocier directement avec le gouvernement communiste du Vietnam du Nord pour pouvoir organiser les rapatriements. Et on va avoir un certain nombre de rapatriements plus ou moins forcés sur l'Easter Queen, le dernier en 1964. Et autant on sait que tous les vieux vietnamiens, ils étaient tous heureux de pouvoir rentrer chez eux. Ils allaient mourir sur la terre, sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Autant si vous regardez cette photo-là, là, regardez les visages des jeunes. Les jeunes, eux, ils ne voulaient pas partir. Le Vietnam, ils ne connaissaient pas. Ils allaient dans un pays qu'ils n'avaient jamais vu, alors qu'eux, ils étaient nés ici. Mais si... Il n'y a plus de Javanais, si toute une partie des Vietnamiens sont partis, mais c'est qui va travailler dans les mines? Et donc, ben, on cherche une nouvelle main-d'œuvre. Puis ça tombe bien, il y a deux îles françaises là qui ont une population qui augmente depuis les années 1930. Et ben, on va aller les chercher. C'est les Wallisiens et les Futuniens. Et les Wallisiens et les Futuniens, eux, ils vont avoir... une particularité, c'est que eux, ils ont une tradition d'aller peupler ailleurs, le Tavaka. Et les chefferies wallisiennes et futuniennes, elles vont en fait insister auprès de l'administration pour que les envois qui se font vers la Calédonie ne soient pas que des envois d'hommes, mais qu'il y ait également beaucoup d'envois de couples, avec l'idée du Tavaka, c'est-à-dire on part en Calédonie pour s'y installer, pas comme travailleurs immigrés, mais pour s'y installer. Et on va avoir entre 1951 et 1955 l'arrivée de 800 personnes, les 5 ans suivants l'arrivée de 1916 Wallisiens et Futuniens pour la construction du barrage de Yate, qui est dans la mémoire collective wallisienne et futunienne le début de l'histoire moderne. En 1961-62, on a plus de 1000 personnes. Et puis, au moment du boom du nickel, on a, entre 69 et 73, on a 1300 personnes qui arrivent, dont la moitié sont des couples. Les Wallisiens et les Futuniens arrivent ici avec une tradition qu'ils ont ramenée de chez eux, c'est celle de faire beaucoup d'enfants. Mais ils arrivent ici où l'Union calédonienne a créé la CAFAT, et donc où, moi je me rappelle quand j'étais petit, on appelait ça monnaie braguette. Alors pour vous faire sourire, je vais vous donner la fertilité des femmes. Entre 65 et 67, c'est 9,89. Entre 72 et 74, c'est 8,89.
Mais déjà, entre 75 et 70, 1975 et 78, ça tombe à 6. Du coup, vous avez des couples qui font beaucoup d'enfants, et ces enfants, ils n'ont pas vocation à repartir à Wallis et Futuna. On a donc une communauté qui, parce qu'il y a des couples, maintient les coutumes, maintient la langue, où les chefferies de Wallis et Futuna comprennent assez rapidement que, eh ben, il faut faire en miroir les organisations coutumières de Wallis et Futuna en Calédonie, afin de pouvoir structurer la communauté. Et du coup, on a une communauté océanienne tout à fait originale qui vient s'implanter au pays avec une vraie volonté d'y faire souche. Je vous ai parlé du boom du nickel. En fait, le boom, il commence pas en 69. On a déjà des prémices avant. Et ces prémices se font dans un cadre politique bien particulier. C'est la fin de la guerre d'Algérie. La France reprend en main ses territoires. C'est la fin de l'autonomie interne. La France également va reprendre en 69 le contrôle du nickel. Et ben, c'est l'arrivée de nouveaux travailleurs ou de nouvelles personnes qui viennent s'installer. C'est les pieds noirs. C'est les métros. Les métros qui sont vus par les Calédoniens blancs d'ancienne descendance. Mon grand-père, il disait, c'est des envahisseurs. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Vous allez avoir 5000 Européens qui vont arriver durant le boom. Vous allez avoir 3000 Tahitiens qui vont arriver durant le boom. Et vous allez aussi avoir des Antillais, etc., etc. Cette période, fin des années 60, début des années 70, est une période où il y a un développement économique extraordinaire, où il y a des gens qui font des fortunes extrêmement rapidement, où la société, le nickel, tourne à plein régime. Mais c'est également le moment où apparaissent les premières revendications politiques fortes des Kanaks, de la jeunesse Kanak revenant des études. Mais c'est également le moment où vous avez le vrai clash entre ce qu'on appelle maintenant des caldoches et puis ceux qui se font injustement appeler des oreilles. Et donc la société calédonienne des années 70 voit d'une part une forme de rupture entre métropolitains et blancs d'ici, mais également en même temps une rupture entre blancs d'ici et Kanak. Et c'est ce processus qui va amener, qui va amener aux tensions de la fin des années 70, à l'émergence d'une revendication Kanak qui va devenir une revendication rejetée par les non-Kanaks, aux événements, etc., etc. Nécessairement, baisse de l'activité économique plus crise politique va faire que la deuxième moitié des années 70 et puis les années 80 vont voir relativement peu d'arrivées de nouvelles populations et vont surtout voir des gens qui partent par crainte de tension. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui vient. Et je veux entre autres citer la communauté la plus silencieuse de Calédonie, celle que l'on n'entend pas, on l'entend tellement pas qu'on ne sait pas combien ils sont. C'est tous ces Océaniens originaires du Vanuatu, indépendance du Vanuatu, 1980, c'est toutes ces populations originaires du Vanuatu qui, au cours des 40 dernières années, sont venus s'installer en Calédonie et qui forment aujourd'hui une véritable communauté, même si cette communauté est extrêmement discrète. Et puis, à la fin des événements, le processus de rééquilibrage fait que, y a beaucoup d'argent qui est déversé, il faut développer la Calédonie, il faut faire des projets économiques. Mais encore une fois, on n'a pas toutes les compétences.
Et donc on va voir arriver dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000 un certain nombre de nouveaux arrivants, souvent jeunes, souvent diplômés, parfois même surdiplômés, qui vont arriver pour permettre ce gros processus de rééquilibrage, mais qui vont également arriver avec leurs propres coutumes, à eux. Qui aurait pu imaginer dans les années 80 qu'en Calédonie, on ferait des treks ? Qu'il y ait des gens qui, les uns derrière les autres, 70 mecs sur les lignes de crête des collines à Niaouli à 1h de l'après-midi sous le soleil, en train de courir comme... en train de courir. Voilà. C'est eux qui ont amené ça. Ce n'est pas une tradition calédonienne, même si aujourd'hui, il y a des treks partout en Calédonie. Mais de la même manière, c'est eux qui ont amené cette attention à l'écologie, à la protection de l'environnement, etc. Nous, on n'a jamais été très bons en protection de l'environnement. On faisait tout ce qu'on pouvait pour ramener le plus de requins pour démontrer qu'on était des caïds. Mais ce processus, il a aussi, parce que les temps ils ont changé, entraîné d'un point de vue politique le fait que on a des textes tout à fait uniques de protection de l'emploi local, qu'on est dans une situation tout à fait unique également sur qui a le droit de voter, pas voter, sur quelle élection, sur donc on est dans quelque chose où l'arrivée des Matignon a influé sur la manière dont on est organisé à un niveau pays. Les derniers, symboliquement, c'est l'arrivée des jonques chinoises, des nouveaux Chinois, à la fin de l'année 1997. Rappelez-vous, ils arrivent en Australie, on leur dit en Australie, mais vous allez où ? Non, nous, on veut aller en Calédonie, nous. Ah, c'est par là. Et ils arrivent sur femmes, enfants, vieillards, bébés, tout, 110 personnes. Ils arrivent sur des gens qu'on se demande comment ils ont traversé 6000 km sur des barcasses comme ça. Ils sont enfermés pendant 4 mois à Tontouta. Et puis au bout de 4 mois, on dit, vous rentrez chez vous. On va vous rapatrier. Et si j'insiste là-dessus, c'est que les Calédoniens ont été à ce moment-là des Calédoniens. Je veux dire par là que blancs, noirs, caldoches, kanaks, javanais, wallisiens, tout ce que vous voulez, il y a des gens qui sont montés à Tontouta, qui ont manifesté à Tontouta leur solidarité pour ces 110 personnes, 80 personnes. Et cette solidarité calédonienne envers des gens qui avaient peur de mourir et de se faire abattre s'ils rentraient chez eux, cette solidarité, elle a porté. Ça n'a pas été la seule chose, je ne suis pas dupe. Mais cette solidarité, elle a porté parce que l'État français a fini par changer d'avis et le Premier ministre Jospin a fini par dire « vous les voulez, vous les gardez ». Comme quoi, on n'est pas que des mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? J'espère avoir un tout petit peu réussi à déplacer les lignes de la vision que vous aviez de ce qu'est la Calédonie en rentrant dans cette salle il y a une heure. Mais la réalité, c'est que on continue à avoir des histoires en Calédonie. Chacun a son bout d'histoire et plus le temps passe, plus on confronte son histoire avec celle des autres. En même temps, cette confrontation des histoires, premièrement, on n'est pas les premiers à l'avoir, et deuxièmement, il est peut-être temps aujourd'hui de poser la question de savoir est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment où
nos confrontations, ça commence à bien faire. J'ai retenu, il y a quelques semaines, un chiffre ahurissant publié par l'ISEE. Dans le dernier recensement, 2019, à la question « Est-ce que vous vous estimez calédonien ?», 82,6% des habitants ont répondu « oui ». Comment on traduit ça? Comment on fait pour que nos différences, on ne va pas les éliminer, nos différences, mais comment est-ce que nos différences peuvent, au lieu d'être des oppositions, devenir une richesse? Aujourd'hui, on reste dans des conflits de mémoire. Mais on sait très bien, il suffit que vous allumiez la télé le soir, on sait où vont les conflits. Surtout aujourd'hui avec Facebook et Twitter et tout ça là. Et donc je voudrais terminer ma présentation avec des paroles qui ne sont pas des paroles de nos générations. Il y a quelques jeunes là, j'ai vu. Je voudrais terminer avec des paroles de ceux à qui, finalement, on ne donne pas assez la parole. Il y a quelques années, au lycée de Pointe-Boute, les professeurs ont demandé à leurs élèves d'exprimer ce qu'ils avaient dans les tripes. Il y a un des élèves qui a écrit ça. Ah mince, je suis allé trop vite. Je suis désolé. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que c'est 82,6% qui disent « on s'estime calédonien ». Finalement, ils ne font que dire la réalité des cousinades calédoniennes. Regardez ces photos-là. Ici, vous avez des Japonais de Kanala. Là, vous avez des Wallisiens et Futuniens venant faire la coutume à leurs cousins d'il y a 10 générations à Ouvéa, Ouvéa-Lalo. Là et là, je ne sais même plus comment définir les mélanges des sangs. Et puis quand les Arabes ils sont allés en Algérie, plus de la moitié de la délégation, c'était des Kanaks. Voilà les paroles des jeunes. Les générations se succèdent, les sens se mêlent. Après s'être autant ignorés, aujourd'hui, nous reconnaissons que de ces pas vers ce que l'autre a de riche naissent le respect et le partage pour qu'à nos douleurs passées respectives succèdent des lendemains bien plus colorés pour que du métissage culturel émerge la citoyenneté calédonienne. Et celui-là, enfant descendant des Blancs, enfant descendant des Noirs, plus de mots blancs, plus de mots noirs, mais peuple d'Osh Daki. Je vous remercie. Voilà, ben, merci beaucoup à Christophe Sand pour cet exposé qui a sans doute fait bouger quelques lignes ou mis des choses en perspective qu'on n'imaginait pas forcément. On va avoir du temps maintenant, si vous le voulez, pour le questionner, lui poser des questions ou des interventions. Je vous demanderai juste de lever la main bien haut pour que je puisse vous identifier et vous pouvez poser votre question. Pour les personnes qui sont assises à la place des élus, il y a des micros. Pour les autres, il y aura des micros disponibles éventuellement pour que vous puissiez poser vos questions ou intervenir. S'il y a des interventions, bien évidemment. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Oui, monsieur, on va vous porter un micro tout de suite. On a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère. Pourquoi on n'a pas fait appel à la main-d'œuvre locale pour les personnes qui sont au fond? On a fait appel à de la main-d'œuvre locale. En particulier, on a fait appel à la main-d'œuvre locale dans le cadre de l'impôt de capitation,
c'est-à-dire le travail obligatoire qui était imposé aux Kanaks jusqu'en 45 ou 46, 45 probablement, qui permettait d'ouvrir des routes, d'aller ramasser le café, etc. Mais les Kanaks, ils ne voulaient pas rentrer dans le système, à part quand ils y étaient obligés, ils ne voulaient pas rentrer dans le système économique à l'occidental. Et quand vous voyez comment les gens ils étaient traités sur les mines, on peut comprendre pourquoi. Ceux qui ont été les premiers dans le monde Kanak à véritablement rentrer dans le tissu économique, c'est un certain nombre de chefs des îles Loyauté, qui envoyaient des gens travailler pour ramener de l'argent à la communauté, et qui, dès les années 50, vous avez un certain nombre de grands chefs aux îles qui ont des caboteurs, qui ont des bateaux, et qui fournissent Nouméa en igname, en travailleurs quand il faut, etc. Donc les Kanaks qui ne sont pas absents durant la période coloniale du monde du travail. On a, si vous prenez le livre de Louis-José Mamanson, on a des photos de construction de bâtiments à Nouméa, etc., où on voit des Kanaks qui sont bien là, les Kanaks qui sont partout sur les photos du bagne, en tant que gardien, en tant que... Ils font partie du monde du bagne calédonien, les Kanaks. L'histoire du bagne, c'est pas hors de l'histoire Kanak. Mais ils veulent pas travailler dans des conditions qui sont des conditions de demi-esclavage dans un certain nombre de cas. Et du coup, voilà. Oui, madame, on va vous passer un micro, la dame qui est juste là. Merci. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur le début de l'histoire. Je suis un peu surprise que le pays ne se soit pas développé dans les 50 premières années du 19e siècle, parce que dans le reste du Pacifique, entre 1800 et 1850, c'était déjà extrêmement, extrêmement actif. C'était un Pacifique complètement mondialisé, que ce soit à Tahiti, même au Vanuatu. Et essentiellement, avant l'arrivée des premiers Santaliers vers 1840-41, il n'y a pas de Blancs qui se sont installés, qui ont vraiment fait souche. Comment on explique ça, cette espèce de décalage d'à peu près 50 ans sur le reste de la région? Alors, le décalage, il est en fait régional. C'est qu'on a un mouvement de l'Est vers l'Ouest. Hein. On a un développement très, très tôt, que ce soit effectivement de la Polynésie centrale, hein, Tahiti d'un côté, Hawaï de l'autre, qui se développe très, très tôt. On a également un processus de christianisation qui se fait très tôt. On est dans un contexte où un certain nombre de ce qu'on appelle des royautés polynésiennes en fait s'accaparent l'économie de ces archipels et de ces îles à leur profit. On peut penser à Kamehameha d'un côté, à Hawaï et au Pomare au niveau tahitien. Mais le processus de développement économique en fait ailleurs dans le Pacifique, il commence avec les baleiniers, et les baleiniers, c'est à partir des années 1810-1820. La particularité de la Calédonie, c'est que les Kanaks, ils sont guerriers. Et du coup, les processus d'installation que les gens, les premiers arrivent à faire, par exemple, sur le Vanuatu, c'est plus compliqué à faire en Calédonie. Mais voilà, Fidji commence à être développé à partir de 1835. Les premiers teachers protestants, ils arrivent en Calédonie en 1840. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Les missionnaires, ils arrivent catholiques, ils arrivent juste après. La seule exception véritablement dans la région, c'est l'Australie et dans une moindre mesure
la Nouvelle-Zélande, mais l'Australie, c'est grâce au bagne. Mais il ne faut jamais oublier que le bagne australien est, à une exception près, fermé avant que le bagne calédonien ne commence. C'est-à-dire qu'on a un vrai décalage chronologique qui est extrêmement profond. Et du coup, il n'y a pas la dynamique qui permettrait un développement économique de l'arc mélanésien avant, finalement, les prises de possession. Merci bien. D'autres interventions, d'autres questions ? Oui, allez-y, monsieur, il y a un micro devant vous. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé sur les 24 origines. Au début, quand je suis venu, j'avais peur parce que je me disais, on va parler des origines de chacun. Et je me disais, mais est-ce qu'on ne va pas assigner les gens ? C'est-à-dire les mettre dans des cases, etc. Puis au final, j'ai trouvé le propos très instructif. Alors moi, j'avais une question. Quelle différence faites-vous entre la mémoire et l'histoire ? Enfin, la mémoire collective, enfin, la mémoire... comment séparez-vous la mémoire et l'histoire ? Un petit cours, un petit peu de philo, à quelques jours du bac maintenant, Christophe Sand ? J'ai eu 4 sur 20 à mon bac de philo. Essayez de vous rattraper alors. L'histoire, c'est une démarche de type scientifique. Cette démarche de type scientifique, elle est bien entendu, parce que c'est une science humaine, sous-tendue par plein d'aléas politico, géostratégico, contextuels, etc. Mais la notion d'histoire est une notion qui se veut être à partir d'un certain nombre d'éléments qui sont structurants et de faits. Ces faits peuvent créer, j'insiste là-dessus, des images d'Épinal. D'accord ? L'image d'Épinal, elle, à partir d'un fait réel, on construit une image derrière. La mémoire, c'est quelque chose qui est lié, j'allais dire, à un groupe social. C'est-à-dire que la mémoire ne cherche pas nécessairement une forme de vérité au sens scientifique du terme. À partir de là, une mémoire a finalement un certain nombre d'objectifs qui sont différents de la notion d'histoire. Parce que la mémoire est avant tout là pour justifier ma place dans un espace, dans le monde, si vous voulez, dans une société. Et la mémoire est quelque chose que je vais manipuler, que je vais travailler, que je vais amender. On va couper des parties de la mémoire afin de pouvoir garder l'équilibre. Et donc, l'objectif même des deux notions me semble être... c'est des objectifs qui sont différents. Ils ne se nient pas l'un l'autre, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière. Oui, allez-y, monsieur, je vous en prie. Oui, c'est... Merci d'ailleurs pour cette présentation qui était très intéressante. Pour ce qui est de la mémoire et de l'histoire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. L'histoire doit se nourrir de la mémoire, parce que la mémoire, ce sont des gens avec un vécu, sur lequel, vécu qui va être donc un des parcours de vie particuliers, des faits, et donc on est sur du factuel aussi par rapport à cette mémoire, et l'histoire a une tendance, parce qu'elle est institutionnelle, à ignorer la mémoire. Quand on regarde notre histoire, force est de constater que à la tête de notre histoire, nous avons un État puissant. Et vous l'avez fort bien démontré, d'ailleurs. Et c'est une raison pour laquelle, également, la Calédonie a pris du retard par rapport à d'autres pays de l'Océanie, parce que l'État, qui, par nature, est fait pour capter la richesse, n'en produit pas. Et que ce sont les compagnies qui produisent de la richesse. Donc ça, c'est un fait.
Et donc, entre mémoire et histoire, même si c'est une science qui est humaine, ce n'est pas une science qui est exacte, et c'est une science qui peut être orientée. Il n'y a qu'à voir un petit peu tous les livres qui traitent d'histoire, comment on fait disparaître un personnage d'une photo, parce que l'histoire veut que ce personnage n'ait jamais existé. Donc l'histoire de la Russie, de l'ancienne Russie, est riche à cet effet, mais l'histoire de France également. Donc entre mémoire et histoire, donc, il y a des liens interactifs que l'histoire et les historiens devraient prendre en compte plus souvent. C'est-à-dire la mémoire des anciens, donc, ou également prendre par le bas les documents historiques, ou en tout cas ceux qui vont être factuels. Je veux par exemple les livres que tenaient les prêtres à l'époque, les recueils sur les naissances, ceux que tenaient également les compagnies qui vendaient du grain, etc., plutôt que de tenir compte des faits par les grandes institutions. Et là, je vais vous parler d'une anecdote, parce que c'est du vécu. Rapidement, pour qu'on puisse entendre d'autres personnes. Il y a eu des événements ici, il y a 20 ans, qui ont été des événements majeurs entre deux communautés, la communauté de Saint-Louis et la communauté de Lati, où tous les soirs, il y avait des centaines de coups de feu. Et tous les soirs, Matignon recevait RAS. 400 coups de feu, RAS. Rien à signaler. On est sur du factuel et on est sur de l'histoire, mais quelle histoire est-ce qu'on a voulu présenter aux Calédoniens ? Alors on peut toujours dire oui, mais on ne voulait pas faire peur aux gens. Voilà donc ce que j'avais à dire. Il y a un décalage, mais il faudrait que ce décalage n'existe pas, parce que la mémoire fait partie de l'histoire et il y a des interactions très fortes entre les deux. Merci pour cette précision et cette intervention. Petit commentaire, Christophe Sand ? Oui, un commentaire très court, simplement pour dire que, en contexte, quel qu'il soit, pas seulement colonial ou postcolonial, il y a toujours des zones d'ombre dans l'histoire. Et ces zones d'ombre, elles peuvent être soulevées 30 ans, 40 ans, parfois 150 ans après. Et du coup, à partir du moment où on accepte que c'est la réalité de l'étude historique, à partir de ce moment-là, en fait, d'une certaine manière, j'allais dire, on se permet de considérer que l'histoire, elle fait ce qu'elle peut, et que les historiens, ils font ce qu'ils peuvent. La Calédonie est un pays où, le jour où on aura accès à toutes les archives, on va ouvrir des yeux, mais comme ça. Mais on le sait, tous les Calédoniens le savent. En même temps, moi, ça ne m'empêche pas de dormir à partir du moment où je sais que une partie des choses qu'on nous dit, quelque part, il faut les prendre avec recul. Une autre intervention, pardonnez-moi, il y avait M. Barbançon qui voulait intervenir. Louis-José. D'abord, remercier Christophe pour ce panorama. Des choses plus particulières. Je te remercie beaucoup d'avoir une énième fois tordu le cou à la légende qui veut qu'il y avait une autre population avant, puis les Kanaks sont arrivés, puis ils ont envahi. Ça fait la énième fois que tu le dis. Et il faut le redire, parce que c'est pas les gens, ils n'ont toujours pas compris ça. Hein, bon, ça, c'est pas possible. La deuxième chose à te remercier, c'est parce que tu as bien montré, et tout le monde l'a bien compris, que la violence est consubstantielle de la colonisation. Mais pour tout le monde, pour tous ceux qui l'ont subi. Alors c'est vrai que la violence subie par le peuple kanak, c'est une violence spéciale, parce qu'ils perdent leurs terres, etc. Après, il y a d'autres formes de violence. Et que la pire des choses, ça serait de faire un dolorimètre pour essayer de calculer la mesure de la douleur. Et ce n'est pas du tout ce que tu dis. En ce qui concerne le problème de la mémoire et de l'histoire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, s'il y a une sorte de tyrannie de la mémoire qui s'installe, c'est parce que pendant des années, il y a eu une dictature du non-dit. Alors les gens, et en particulier les Kanaks, qui ne se retrouvaient pas dans l'histoire qui avait écrit dans les livres,
Ils étaient bien obligés de faire leur histoire de leur côté. Et pendant que nous, on refusait de parler du bagne, pendant que les descendants des engagés asiatiques ne voulaient pas parler du passé parce que le passé était trop dur pour eux, dans les cases, la nuit, la mémoire, elle a continué à se dire des événements. C'est ça la différence. Il a fallu que nous, on passe du droit à l'oubli au devoir de mémoire. Alors que, au sein du peuple kanak, la mémoire a continué à se dire. Et ça explique pourquoi la revendication s'est fondée sur cette mémoire qui se taisait dans les cases en cachette et qui a ensuite explosé en public. C'est ça qu'on a vécu. Et aujourd'hui, notre gros souci, c'est est-ce qu'on est capable de faire une histoire commune ? C'est ça que tu poses comme problème. Est-ce que l'histoire de la Calédonie, c'est un épisode de l'histoire de France ? Ou est-ce que c'est un tout ? C'est ça qu'on doit savoir. Et on ne l'a toujours pas décidé dans les programmes scolaires et tout. Ça, ce n'est pas décidé. Parce que si on ne fait pas capable de faire une histoire commune, si on n'est pas capable de faire tous les liens qu'on peut avoir, si le bagne, c'est que l'histoire des Blancs, si les Kanaks ne sont pas là, si on fait l'histoire des Vietnamiens d'un côté, si on continue à découper notre histoire en tranches de saucisson de cerf, là, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir toujours une histoire Kanak. Celle-là, elle ne va pas bouger. Ils sont là depuis 3000 ans. Et c'est à nous à savoir, est-ce qu'ici, il y a un récit national commun ? Et c'est ça que tu poses. Et c'est bien là-dessus qu'il faudra réfléchir. Et le résultat du recensement dont tu as parlé, là, il est intéressant. Parce que pour la première fois, on a demandé aux gens est-ce qu'ils se sentaient calédoniens. Et alors que pendant 30 ans, on nous a interdit de mettre le mot calédonien. Hein, on a subi la dictature parisienne. Hein, des scientifiques parisiens qui refusaient qu'on mette le mot calédonien, ça ne pouvait pas exister. Mais le jour où on a demandé, c'est existé. Quand on regarde le recensement, on est passé à 30 000 métis. On en avait 24 000, 23 000 au dernier recensement. Il n'y a pas eu 7 000 de plus. Non, c'est parce que là, dans la rubrique « autre », on est passé de 26 000 à 20 000. Ben, les 6 000, ils sont allés sur les métis parce que la question a été mieux posée, tout simplement. Donc là, à partir de là, est-ce qu'on va oui ou non avec... Alors maintenant, il y a un ministre qui arrive, qui dit qu'il faut faire de l'histoire. Monsieur Barbasson, on n'a pas entendu. Je peux vous demander de terminer. Je termine. Merci. Là, je dis simplement que le problème qui est posé, et qu'on va poser, c'est ça. C'est est-ce qu'on a une histoire commune, oui ou non ? Est-ce qu'on a un récit national commun dans lequel on met tout, hein, Ataï et Galipas Bog, dans lequel on met Jacques Lafleur et Jean-Marie Tchibaou, dans lequel on met Ticia et puis Goulan, Karembeu et puis Gané, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? C'est ça qu'on a besoin. Dernière petite chose, j'aurais bien aimé quand même que tu dises dans certaines photos que tout le monde t'entend en train de défiler, hein, en 1956, où tu renvoies ton arrière-grand-père avec ta maman sur la photo, parce que ça, c'est nous. C'est-à-dire qu'on fait de l'histoire, on est scientifique, on essaye de faire attention, on essaye d'être lucide, on essaye d'être objectif, et puis un moment, en même temps, on est là sur les photos. On est là à travers nos parents, nos grands-parents et ceux qui nous ont élevés, qui nous ont aimés. Voilà, merci. Merci bien. Allez-y. Allez-y, oui. Deux questions très courtes, beaucoup plus courtes que celles de mes prédécesseurs. Vous avez parlé du peuplement de la Nouvelle-Calédonie, vous n'avez pas parlé du dépeuplement. Depuis 2015... Depuis 5 ans, 10 000 personnes ont quitté la Calédonie. 5 000 électeurs de moins aux élections municipales à Nouméa. Comment expliquez-vous ce dépeuplement ? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, l'immigration vanuatèse. Est-ce que vous avez le nombre de titres de séjour réguliers de Vanuatais en Calédonie ? Est-ce que vous avez le nombre de clandestins ? Christophe Sand, le sujet que vous n'avez pas forcément travaillé, mais... Alors, sur la première question, la Calédonie a toujours fait un petit peu de yo-yo au niveau des arrivées, des départs. Quand tout va bien au niveau de l'économie, les gens y viennent. Et puis, quand il n'y a plus de travail, une partie des gens, ils repartent.
J'ai pris l'exemple des nordistes, un certain nombre de colons feuillets. C'est-à-dire que la situation qu'on vit depuis 5 ans est finalement très banale. C'est juste la suite de trucs. C'est un petit peu comme les usines du nickel. Hein. Vous savez, depuis un siècle et demi, on n'a pas arrêté de construire des usines. Et puis quand ça ne marchait plus, on les abandonnait. Et puis après, quand ça marchait à nouveau, on en refaisait. Et puis vous prenez Tao, vous prenez sud de Wailou. C'est cette espèce de cycle qui monte et qui descend et quelque chose qui fait partie de l'histoire calédonienne. Maintenant, sur les Vanuatés, je n'ai pas la réponse et je ne pourrais rien vous dire de plus sur ce sujet. Je m'en excuse. On a encore le temps de prendre une ou deux interventions. J'ai juste une information pratique pour les personnes qui sont garées sur le parking du centre administratif de la province sud, c'est-à-dire de l'autre côté de la route. Il faudrait que vous alliez enlever vos véhicules à 20h15 au plus tard. Voilà, donc surveillez la montre. De toute façon, on va arrêter aux alentours de 20h-20h05 pour vous permettre de partir. Est-ce qu'il y a encore une ou deux interventions éventuelles? Des questions, monsieur là-bas, s'il vous plaît. On vous amène un micro tout de suite. Oh, vous pouvez essayer sans micro, mais il arrive dans 2 secondes. Donc... Oui. Alors, Ça marche. Donc, moi, ce qui m'intéresse, là, d'abord, un grand merci, parce que j'ai appris, en tant que relativement nouveau venu, j'ai appris énormément de choses sur ce qui se passe en Calédonie, notamment au niveau des chiffres, que j'ai trouvé très, très intéressants, sur les chiffres migratoires et les chiffres de retour. Maintenant, moi, je voudrais repartir. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les premiers peuplements de la Calédonie. Et ce qui m'intéresse énormément, bon, je suis comme beaucoup de gens, j'ai lu le bouquin de M. Ferdin là, sur les Calédoniens. Alors j'aimerais bien savoir, on se connaît un peu parce qu'on fait partie de tes occupations, ce que tu penses de M. Ferdin et de son bouquin sur les Calédoniens. Et aussi, on parle des gens de Papouasie-Guinée, on parle de... des aborigènes d'Australie, là je suis d'accord, et il parle aussi des négritos. Et bon, j'ai vécu longtemps en Polynésie, où j'ai travaillé, et dans les vallées de Polynésie, on parlait souvent de petits hommes noirs qui vivaient dans les montagnes, dans toutes les légendes. Alors c'est un sujet, ces fameux négritos, là, que M. Ferdin fait faire partie des premiers immigrants, ça m'intéresse beaucoup. On les trouve aux Andamans, on les trouve aux Philippines, c'est une très très vieille population. Et aussi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le rôle des Dravidiens qui ont immigré jusqu'en Indonésie et dont on trouve des types physiques assez proches en Calédonie et dans le monde mélanésien. Voilà. Là, le sujet est particulièrement vaste, donc je vais avoir du mal à répondre en 2 minutes, simplement pour dire que par rapport aux petits hommes, c'est une tradition que vous trouvez sur toute la planète. L'histoire des lutins, vous allez en Scandinavie, vous aurez la même chose. C'est un élément de la cosmologie, j'allais dire, universelle des hommes, qui n'a pas grand-chose à voir avec une réalité scientifique. On n'a jamais trouvé, ni en Calédonie, ni en Polynésie, ni, dans les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, des squelettes de personnes qui font 1m20 ou 1m30. Et donc, ça fait partie plutôt d'une cosmogonie que d'éléments qui sont historiques. Voilà, pour le reste, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Une autre fois, mais ça me semble difficile de développer plus avant, sauf à redire que d'un point de vue archéologique, d'un point de vue linguistique, aujourd'hui, avec un certain nombre de données génétiques qui commencent également à apparaître, on a très clairement la preuve qu'il n'y a ici personne avant environ 1000 ans avant Jésus-Christ. On cherche partout, mais on ne trouve pas de traces que ces premiers groupes sont très clairement issus du rameau lapita, c'est-à-dire que
Ils sont apparentés aux gens du Vanuatu, ils sont apparentés aux gens de Fidji, de Polynésie occidentale, jusque dans l'archipel de Bismarck en Nouvelle-Guinée. Il y a 3000 ans, il y avait des gens de Pueblo qui fabriquaient des poteries Lapita et qui les transportaient probablement pour faire des coutumes jusqu'au Vanuatu. Que d'autres gens de Pueblo fabriquaient d'autres poteries Lapita et les échangeaient en coutume jusqu'à l'île des Pins, et qu'à aucun moment dans la chronologie archéologique de la Nouvelle-Calédonie, on a de véritables ruptures, c'est-à-dire un moment où tout d'un coup on a l'indication archéologique de ce qu'on pourrait appeler un remplacement de population. Du coup, ce qu'on a, c'est des évolutions, bien que ces évolutions, je le répète encore une fois, soient des évolutions avec nécessairement des contacts et des arrivées d'autres gens au fur et à mesure des siècles. Vous ne pouvez pas imaginer que la Calédonie, elle a été dans une bulle comme ça pendant 2800 ans jusqu'à ce que James Cook il arrive. Ce serait super ethno-eurocentrique de cette vision-là. Voilà. Une dernière intervention au fond ? Peut-être, si c'est une question courte, on la prendra après. Bonsoir, Monsieur Sonne. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'ensemble de votre travail depuis 40 ans sur l'archéologie du pays. Et j'ai une question, c'est sur savoir quelle école calédonienne on veut promouvoir pour nos enfants. Demain, moi, je suis de la génération des accords de Nouméa, Matignon. Et je pense que l'école calédonienne a un rôle à jouer dans ce sens-là, où on veut faire une histoire commune. Il faut que, voilà, à partir du moment où chaque Calédonien a la capacité de prendre en compte que les Kanaks, les Wallisiens, tous les Rocomèques, qu'ils entrent ça dans leur programme, dans leur éducation vers les enfants. Comme on est dans un système insulaire où nous, on a vécu dans la mondialisation bien avant la colonisation, quoi. On était interconnectés et tout. Quand on parle du Vanuatu, j'ai des clans sur la côte est, ils ont intégré dans leur généalogie les relations interclaniques qu'il y avait entre le Vanuatu, les îles Anatome et compagnie, toutes les relations coutumières et politiques, culturelles et tout. Je regarde en Afrique du Sud, il y a des comités de décolonisation, enfin des trucs comme ça, de réconciliation en gros, qui partent du principe que, voilà, aujourd'hui on vit dans une société divisée où les antagonistes sont prégnants, les clivages politiques, etc. Et on essaye de rassembler tout le monde pour une idée commune dans un monde qui est complètement fini, quoi, dans la mesure où on est très individualiste, et on vit dans un système consumériste. Aujourd'hui, les interdépendances, on doit les ériger en une valeur, carrément comme une valeur, parce que la nature est interdépendante. Nous, les hommes, nous sommes interdépendants. Entre connexions, bien avant la colonisation, on était interdépendants entre chaque royauté du Pacifique. Et dans la mesure où l'école calédonienne, elle ne joue pas son rôle actuellement, on nous apprend des histoires de Poitiers, Charles Martel, qui a été chassé par les musulmans et tout. Mais on ne nous apprend pas l'histoire de notre voisin, de la chefferie de Djoubéa, les Kouindo et tout et compagnie. On n'apprend pas l'histoire de nos propres voisins dans notre pays. Ça, c'est pas logique, à mon sens. Moi, je regarde le santal. J'ai planté du santal chez moi. Le santal, c'est une plante qui a besoin d'une hôte pour se développer, d'une plante hôte pour se développer. Je regarde les Calédoniens, je dis, j'ai grandi dans un collège au nord. Nous, on enseignait à nos enfants que, voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous renfermer sur l'histoire de France. D'abord, vous apprenez l'histoire du Pacifique. C'est la base que vous vivez dans cet environnement-là. On ne sait pas si quand vous allez aller en France. Moi, je suis parti en France, j'ai eu la chance de vivre en France quelques temps aussi. Je leur ai dit à les élèves que, voilà, apprenez d'abord l'histoire de vos voisins et après, vous pourrez aller voir plus loin. Tant qu'on ne fait pas ce travail-là personnel d'apprendre l'histoire de son voisin, on ne peut pas aller très loin, quoi. Il faut d'abord se concentrer sur l'histoire du pays pour essayer de faire un discours commun, une histoire qui fait sens. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture, qu'il y ait une continuité dans le temps. Et voilà. Puis, je pense que c'est quel système de valeurs nous on veut imposer à notre école calédonienne. Quel modèle. C'est tous ces sujets-là qu'il faut travailler. Merci pour Merci bien, cette intervention. Bonne soirée. Christophe Sand, un petit commentaire. Merci beaucoup pour ces paroles. Une dernière question courte. Hein. J'adresse à l'archéologue que vous êtes. Est-ce que vous avez étudié des vestiges archéologiques des îlots du sud, du Grand Nord, pour voir des... Comme j'ai vécu au nord et un peu dans le sud, je vais travailler sur les îlots de temps en temps. Je trouve des vieilles poteries Lapita. Je ne peux pas dater. Je n'ai pas d'instrument sur moi pour les dater au carbone 14. Ou...
Et est-ce que vous avez une idée, vous avez réussi à dater ces objets-là et les rattacher à un clan, une chefferie, une lignée, etc. Merci. Allez, Christophe. Alors, je vais prendre d'abord la question sur l'école calédonienne et l'histoire. On ne peut que constater que l'école calédonienne n'a pas réussi au cours des 30 dernières années, même si on enseigne l'histoire calédonienne à l'école calédonienne, en primaire, au collège, au lycée. Elle n'a pas réussi à créer un sentiment d'unité. Et il faut se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? Et je peux me tromper, mais j'ai le sentiment qu'en fait, on est parti du principe, il y a 30 ans, que tout le monde percevait l'histoire de la même manière. Et que, du coup, il était extrêmement logique pour un enfant calédonien de comprendre ce qu'était l'histoire de France. Or, dans un pays où 80% des jeunes ne sortent pas du pays avant 18 ans, la France, c'est un truc qui n'existe pas. C'est un truc de la télé. C'est quelque chose qui n'est pas matériel. Et du coup, l'histoire d'un endroit qui n'existe pas est une histoire qui n'existe pas. C'est un roman. Et à partir de là, nos jeunes Calédoniens, l'école, me semble-t-il, ne leur a pas appris ce qu'est l'histoire parce que ce qui leur a été appris ne se rattache pas à des choses concrètes. Et effectivement, la question à poser pour l'école de demain est de savoir si en primaire, j'insiste bien en primaire pour commencer, il ne faudrait pas enseigner l'histoire d'ici, parce qu'effectivement, les Charles Martel, les machins, enfin, qu'est-ce qu'ils retiennent, les gamins du primaire? Mais par contre, si on dit aux élèves de primaire, aux petits, la prochaine fois que vous allez aller sur une plage, ou la prochaine fois que vous allez aller au champ, ou la prochaine fois que vous allez aller vous promener en forêt, recherchez des morceaux de marmite, comme il disait le jeune, et construire la perception de l'histoire, je ne dis pas l'histoire, mais la perception de l'histoire à partir d'objets que les enfants... C'est du concret, un morceau de poterie. Une terrasse de taraudière, une ruine du bagne, tout ça, c'est concret. Et effectivement, il faut peut-être se poser la question si on n'est pas parti sur des mauvaises bases dans la manière d'enseigner ce qu'est la notion d'histoire, pas l'histoire, mais ce qu'est la notion d'histoire, et s'il ne faut pas finalement revenir, comme disait le jeune là, à un apprentissage de l'histoire à partir d'ici. Maintenant, j'en ai oublié la deuxième question. Ah, c'était les poteries sur les îlots. Non, il y avait une question avant ça. Il y avait d'autres questions. C'est pas grave. Les poteries sur les îlots. Il y a des poteries qui ont 1500 ans, il y a des poteries qui ont 500 ans. Mais autant l'archéologie, elle peut dater, autant l'archéologie, elle peut étudier les objets, elle peut reconstruire la forme, elle peut même dire comment était un village. Autant l'archéologie, elle ne sera jamais capable de donner un nom à un squelette que l'archéologue va fouiller. Elle ne sera jamais capable de dire de quelle chefferie, de quel clan il est. Ça, c'est quelque chose que on ne peut éventuellement obtenir que par la tradition orale. Si la tradition orale, elle dit la personne qui est enterrée là, c'est un tel de la lignée, un tel de la chefferie, un tel, et il y a plein d'endroits en Calédonie où ça existe, à ce moment-là, oui, mais cette information, c'est l'information donnée par la tradition orale, c'est pas l'information donnée par l'archéologie. Et du coup, l'archéologie, c'est pas la panacée. L'archéologie, elle est en capacité d'informer sur un certain nombre de choses du passé, mais il y a un certain nombre de choses du passé. S'il n'y a pas la tradition ou l'écrit, l'archéologie en elle-même, elle n'est pas capable de donner cette information. Allez, une toute dernière question, monsieur, devant. Vous appuyez sur le bouton. Oui, vous approchez pas trop du micro. J'aimerais savoir si vous avez pu étudier l'existence d'une population pygmée sur l'île de Marais, si ça existe vraiment ou si c'est une légende urbaine. Alors, mythe ou réalité?
J'attends toujours qu'on découvre des dizaines de squelettes de petits hommes. Tous les squelettes qu'on a trouvés à Marais, je pense à ceux qui sont dans les grottes et les abris, je pense à ceux qui étaient enfouis sous l'aérodrome de La Roche et qui ont été fouillés dans les années 70 pour rallonger l'aérodrome de La Roche. Je pense à d'autres qui sont enterrés dans des coques de pirogues ou de radeaux placés tout en haut des falaises. Ils ont tous ma taille. Donc, s'il y avait eu une population de pygmées... Vous n'êtes pas très grand, je crois. Voilà. Si je suis un pygmée, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, je crois qu'on va mettre un terme à cette soirée. Mais en tout cas, merci pour vos interventions à tous. Et c'est Valma Falaio qui est donc troisième vice-présidente du Congrès, puisque c'est un rendez-vous du Congrès, même si on est dans l'hôtel de la province sud, qui va conclure cette soirée. Merci. Monsieur Sand, je vous remercie pour cette présentation, pour ce rappel qui nous permet de reposer les bases de notre société calédonienne. Ce que je retiens ce soir, et je pense que vous aussi, vous allez retenir la même chose que moi, c'est que le point commun à toutes nos communautés, c'est que leur histoire était violente. Et à mon sens, c'est une donnée essentielle si l'on veut élaborer nos politiques publiques actuelles. Au-delà de cette extrême violence, les différentes communautés ont développé une capacité de résilience, vous l'avez dit. Chaque communauté a créé un sentiment d'appartenance à la Nouvelle-Calédonie. Alors, pour dépasser notre présent, il est important que l'histoire de notre pays soit enseignée dans sa globalité, pour dépasser les clichés, car quelque part, nous sommes tous des victimes de notre histoire. Et je reste persuadée que derrière la résilience, chaque communauté a gardé une intime conviction que l'espoir est devant nous. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.